Cette situation, on va voir comment ce qu'il y a dans la poudreuse. Ah, tellement de poudre ici. Donc, ça, c'est de la poudreuse. Ce que vous allez faire, c'est avec vos scies. Déjà, il faut des scies adaptées aux poudreuses. Faut pas prendre les scies de vitesse hyper fin. Faut prendre les scies assez larges, spéciales. Faut pas prendre les expériments. C'est peut-être plus grand que les autres. Donc, pour la poudreuse, vous allez scier parallèle. Et surtout, vous allez mettre votre, ça c'est le plus important dans la poudreuse, le poids du corps, surtout pas devant. Sinon, et là vous allez faire l'accident du siècle. Donc le poids du corps, un peu en arrière. Je suis désolé de le dire, normalement je le dis jamais, mais là, pour la poudreuse, c'est une exception. Pour lever les spatules avant, comme ça, le poids du corps, et hop, l'arrondi qui est devant le scie va passer au-dessus des poudreuses. Si vous mettez votre poids à l'avant, là vous allez droit à la catastrophe. À la catastrophe et aux avalanches, et voilà quoi.